Allez, c'est parti, nouvelle course, Barcelone. Comme d'habitude, on va commencer par nos messages. Récompense réussite, 8 programmes d'entraînement réalisés. Ça, c'est notre circuit. Prévision météo, des nuages, mais pas de pluie. Et pas forcément un grand soleil. Donc ça, on retrouve notre contrat. Nos rivaux, on continue de les dominer. Performance, la voiture, la R&D. On va continuer à investir. Toujours en cours de développement. J'ai mes réducts de réducts qui sont déjà actives. On va rester là. C'est ce qui est en cours. On est toujours un poil au-dessus des autres. Alors on a commencé à avoir des soucis avec notre bloc moteur pendant la course. On voit qu'il commence un petit peu à. Bon, il est toujours vert, hein. Mais ça veut dire qu'avant d'être rouge, on va être. Potentiellement énormément emmerdé. Ça, c'est le classement au général pour l'instant. On tient la tête avec deux victoires et deux podiums. Bienvenue sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le Grand Prix d'Espagne. Dans les prochaines minutes, les équipes vont prendre la piste sur l'un des tracés historiques de la Formule 1. Et nous devrions assister à une séance d'essai trépidante. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi Nicolas, êtes-vous impatient de commencer? Oui, absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques. Ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. On va plutôt privilégier la coupe de route. D'accord, il est temps de faire quelques réglages. Ça, on mélange riche. C'est parti. Thank you.
Notre rythme est satisfaisant sur ce tour et l'usure des gommes cadre bien avec nos estimations. Next. Alors, enchaîner 5 virages à la suite durant le programme de reconnaissance circuit. D'accord, on ne nous oblige pas à utiliser deux types de... deux types de config. Essayons de faire tourner le programme de reconnaissance du circuit avant le début des qualifications. Cela nous permettra d'identifier les zones délicates du circuit. Sinon, on va faire deux choses en même temps. Dans ce dernier tour, tu te places en deuxième position, tu es deuxième. Tranche énormément avec l'exercice sur les pneus. Attention ici. Gestion de l'ERS. Je ne sais pas à m'expliquer ici pourquoi il y a un... espèce de perte d'adhérence, j'ai l'impression que c'est une différence de niveau qui fait que la voiture a pas tous les pneus sur la route en même temps et ça rend le passage super dangereux. Ça m'a perdu du temps là. Ça va passer.
rythme sur l'ensemble du tour et gestion de l'énergie satisfaisante. Next sprint. Je suis assez de temps, ouais, c'est bon. Et on est dans le vert. On va peut-être y avoir du monde qui va nous perturber. Attends une seconde. C'est gentil. Le test est terminé. Tu as fait du très bon boulot. Les infos récoltées vont nous aider à avancer dans nos recherches. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1 minute 26. Test des portes. Je le sais. J'ai cru que j'allais l'avoir loupé celle-là. Au travail, on vise maintenant le violet.
Tu obtiendras des points bonus si tu réussis plusieurs virages de suite. On va pas avoir assez de temps pour faire la dernière épreuve, enchaîner 3 tours corrects d'affilée. Objectif d'équipe, ça c'est bon. Les pilotes ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3. Martin, Verstappen et Carlos Sainz. Les chronos des essais s'affichent, mais c'est seulement dimanche que seront attribués les points. Alors rendez-vous très vite pour la suite de ce week-end. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous avez maintenu un rythme soutenu pendant les essais. Vous êtes à l'aise au volant de votre monoplace ? Ma voiture répond à merveille sur cette piste. Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. Ah. L'adhérence vous a fait défaut ou vous n'aviez pas bien négocié certains virages ? La voiture n'a pas arrêté de patiner. Non, le tracé n'est pas adapté à la voiture. Merci pour votre temps. J'aime bien la formulation, vous n'avez pas arrêté de taper les murs. Donc là, 3 tours à réaliser dans les temps. À tout de suite se mettre en mélange riche. Ça se passe bien sans être extraordinaire. Très beau travail, toutes ces données vont nous être utiles. Ça, on a de la chance, pas trop de voitures pour l'instant.
Ouais. Ici, ça va être vraiment mon chat noir. Hein. Ouais, niveau temps, on est mieux. 5. On commence à prendre le rythme. Jolie prestation. T'as obtenu ce qu'on cherchait. Continue comme ça. Dernier tour. Si j'y arrive. Si j'arrive à bien négocier les deux virages là en bête, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Très bon travail, toutes ces données vont nous être utiles. Ok. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Raikkonen, Vettel et Max Verstappen. C'est ainsi que s'achèvent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve encore bien des surprises. Météo a changé, ok. Ouais, là il y a une auto à combustion interne, ça commence à m'inquiéter cette affaire. Je sens que je vais avoir des soucis dans ce Grand Prix. Nous voici sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le début de la séance de qualification et ça devrait bientôt s'agiter côté piste. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait.
sont pour l'instant les devants. Ça me rassure parce qu'ils ont fait le 6ème ou 5ème meilleur temps. J'étais pas serein. Virage, j'ai vu Hamilton me passer devant. Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Martin, Hamilton et Sébastien Vettel. Ça s'est joué un Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister au Grand Prix. Vous avez fait du beau travail lors des qualifications. Merci, une dame. Bonjour, je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. C'est jour de course aujourd'hui en Espagne, et alors que tout reste à jouer dans ce championnat, il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous, entre autres au virage 3, tout en accélération, ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9, que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu de Martin. À l'instar des autres pilotes de haut niveau, ils ont de grandes ambitions, mais la Formule 1 est une catégorie à part en matière d'exigence et il faut obtenir des résultats dès le début. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se faire une place dans cet univers. Dans les catégories juniors, on affronte d'autres pilotes avec des expériences comparables, mais les pilotes de Formule 1 ont parfois plus de 10 ans d'expérience. Cela dit, pour l'instant, ils s'en sont bien sortis. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Martin part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Ricciardo, Max Verstappen et Raikkonen, Sainz, Magnussen, Van Dorn et Sergio Perez, Hülkenberg, Gasly, Charles Leclerc et Ocon, Hartley, Alonso, Marcus Ericsson et Lance Stroll, Sirotkin et Romain Grosjean qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le podium va être difficile à décrocher pour cette course, donc concentre-toi sur une bonne arrivée dans les points. Wow, 17 tours. Voilà, même si on ne l'utilise pas, au moins, c'est calé. On va garder l'intérieur. Thank you.
rien de passé. Hein. Qui sont mes adversaires? Les pilotes que nous affrontons sont Van Dorn et Hamilton. C'est qui tourne le mieux. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Ah la vache, le pneu avant gauche. C'est violent. Derrière. Lewis est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,0 secondes. Il chausse des pneus super tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis deux tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Dernier tour à donner. 1,27,6. Là, la voiture a légèrement dérapé. La puissance du moteur va un peu diminuer, il y a une petite usure. Le moteur, ça commence à tirer. Hein. Rentre, rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. C'est Hamilton qui m'a poussé comme ça, putain. Et mais heureusement qu'on est dans la même écurie, hein. Putain, là, il y a les autres qui poussent également. Prenez pas de mes pneus. Ouais, Ricardo en a profité pour passer Hamilton. Sergio Perez, out.
pas ça en mélange riche. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. On doit y passer. Avant la rentrée au stand. Alors, qui rentre ? Non, personne. Septième. Huitième. Ce malin passe devant. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. Il est important cet arrêt. Là où après l'arrêt au stand des autres j'aurais pu les rattraper, là clairement je vais réapparaître derrière. Mais sérieux, il va arrêter un peu de faire chier lui. Sérieux, ils sont casse-pieds, hein. Ils sont casse-pieds. Oh putain, il revient. Ericsson. Oui, le pied au stand, ok. Parce que là, c'est la dernière sucée de ceux qui s'arrêtent. Sixième.
6 secondes. De me bousculer lui. Le cinquième. Oh, meilleur temps. Bien roulé malgré notre petit échauffouré. La capacité qu'on a à revenir sur le peloton de tête. Pilote devant. Voilà. Raikkonen est devant toi. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,7 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Ils chaussent des gommes usées depuis deux tours. Le dernier tour a donné 1 minute 27,6. En fait, j'arrive pas trop à revenir sur eux. Là, on a fait un bon tour. D'ailleurs, si c'est vu, on est vachement revenu. Je suis réellement un peu sorti. Même si j'ai tellement pas envie de taper mon aileron en cul d'une des caisses que. Que je puisse passer. Ça c'est pas malin.
ton aspiration. Concentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. C'est... Allez. On a appuyé sur le podium. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,5 secondes. L'écart de devant. L'état des pneus, que ça tienne. J'ai merde où il est là. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Eh bien. C'est 4 tours. Ouais, meilleur temps. Plutôt encourageant. C'est... Là, il faut faire redescendre la pression, forcément Hamilton en profite. Faut sur ça déraper. Rappel à l'ordre. Ça va faire comme tout à l'heure.
Putain, la vache, on passe. Et maintenant, faut gérer 3 tours. Un peu la pression histoire de pas commettre d'erreur. Se garder à l'intérieur. Absolument que je sorte beaucoup mieux de la courbe de fin de circuit. Et on repasse. D'ailleurs, j'ai remis un coup de pression. Là, c'est lui qui accuse le coup. Ouais, toujours dans le dernier virage. J'arrive à ressortir le plus rapidement possible. Pas forcément évident. Je suis obligé de lâcher l'accélérateur, sinon je sens que je passe pas la courbe. Là par contre. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. L'écart avec la voiture derrière nous est de 2,7 secondes. Hamilton s'est fait repasser devant. Pour dire. Pilote derrière. C'est Lewis qui est derrière. Il est rond. 3,0 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 9 tours. Le dernier tour a donné 1,29,2. Hamilton est repassé devant tout le temps. J'ai l'impression qu'il me recolle au basque. Ça va, j'ai un petit peu de mou quand même. En tout cas, ça aurait été un grand prix haletant. On est passé devant dans les 3 derniers tours. Attention ici, pas commettre d'erreur. Ce serait dommage. Damier, victoire. Absolument génial, c'est un super résultat, bravo. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici les 3 premiers qui montent sur le podium.
notre podium. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Martin renforce sa place de leader au championnat. Si on vous demandait d'élire le pilote du jour, lequel choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Pour moi, c'est clairement Romain Grosjean. Il a roulé dans une catégorie à part aujourd'hui. Sa conduite a été exemplaire. Nous passons à présent au constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et rendez-vous très bientôt pour la prochaine course. Ouais, Hamilton toujours, toujours tout prêt. Hein. Là j'étais en pole. Je me place au milieu, puis à l'intérieur. On voit la meute qui pousse derrière. J'arrive au freinage. À me repositionner. Une seconde position. Je tente un déplacement. Petite touchette. On commence. Forcément, ça me pousse à la faute. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. J'ai dédié le résultat aux fans, je suis là pour assurer le spectacle. Votre duel contre votre adversaire direct ne s'est pas joué à grand chose. Ah. Mais vous vous êtes imposé. C'est un très bon pilote, je pense qu'on apprécie tout autant cette rivalité. Ouais, on va être sympa. Est-ce qu'on peut rêver d'une plus belle victoire que celle obtenue sur ce circuit ? Pas vraiment, je suis ravi de constater que notre travail sur l'aérodynamique a payé. Ouais. Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course ? Tout s'est bien passé grâce à l'abnégation de l'équipe. Ouais, on va prendre ça. Bien, ce sera tout, merci. Une fois, on remporte nos deux face à face. De toute façon, on a fait la pole, on est terminé premier. Je voulais te féliciter pour ton podium. Tu l'as amplement mérité. On était sur les dents pendant les derniers tours, mais tu t'es imposé comme un chef. Alors, on a reçu des invitations à des événements historiques. Vous aurez la possibilité d'accepter ou de décliner l'offre avant la fin du week-end. On se poursuit. Bienvenue pour cet événement international qui met en scène aujourd'hui les meilleurs pilotes au volant de voitures rétro qui ont marqué l'histoire de notre sport. Il
Objectif, finir premier, vos adversaires ont des voitures moins performantes, ils disposent d'une certaine avance. Doublez tous vos adversaires avant de bloquer le nombre de tours de référence. Oula, oh, il a fait un tête à queue. Ok, il a quand même laissé passer. Hein. Tout le monde, par contre, il faut boucler les trois tours. Défi réussi. D'équipe, succès Monaco. Oh là là, le prochain Grand Prix, ça va être quelque chose. Crise de nerfs garantie. Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essais libres.